Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mounted Blade 2 Bannerlord. J'y vais passer un petit peu de temps, hein, comme prévu, et eh ben, simplement j'ai décidé, j'ai eu l'occasion de monter mon armée, composée de plusieurs troupes, et d'attaquer le château de Coregna, donc qui est juste un petit peu au nord-est de Onira. Alors, on va faire passer un peu de temps. Donc, j'ai construit des balistes, des trébuchets, etc. On va casser un petit peu les balistes ennemies. Donc, voilà, histoire de ne pas se faire canarder le moment où on ira attaquer. Voilà. Ah, il y en a une là qui résiste bien là. Ah bah dis donc, pourquoi elle tombe pas? Pourquoi elle tombe plus d'un coup? Elles veulent plus tomber? Ah, une, deux, trois, quatre. Là, il en reste deux. Stop. Ok. Ramenez l'assaut. On a une nette supériorité numérique. On est 1300 et des poussières contre 400 et 300 et des poussières. Mais bon, on va faire un auto-déploiement. Peut-être changer. Comment là, on n'est pas à dos de monture? Mais y a personne à dos de monture là? D'accord, bon, bah y a personne à dos de monture. Allez, on va se mettre prêt. En espérant que ça ne lag pas trop. Bon, forcément. Là, il y a un peu plus de troupes. On est quand même en tout à presque 2000 troupes. Voilà, donc on a deux engins de siège. Enfin, deux engins de. On a, pardon, quatre engins de siège, donc qui sont les trébuchets. On a deux engins d'assaut et on a un engin de. Pour parler tout simplement, casser le mur. Allez, rapprochons-nous! À cheval, à cheval. On va se faire toucher, c'est possible. Hop, allez, on va ralentir. Comment on descend déjà? Je sais plus. Mince. W. Voilà. Et on va aider. Comment ça j'ai fait des dégâts? Aïe. Oh la vache. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Allez. Voilà. On va choper un par un. Cela. Voilà. Là, on le voit lui. En a-t-il d'autres? Allez, regardez là. Je vois une tête. Ah zut. Hop là, attention. Oh non, il s'est fait avoir juste avant. Ah zut. Voilà, suivant. On a un ici, on a un autre là. Ah, ça y est, ils sont revenus. Voilà. Ah, c'est plus facile hein, quand on bouge pas trop. Hein. Donc, il y en a un ici. Je crois que j'ai pu avoir de flèches. Go. Alors, des fois, il y a des endroits où il y a des flèches qui sont un peu entreposées, mais là, j'en vois pas. Non, là je n'en vois pas. C'est pas grave. Va falloir quand même faire attention. Voilà, là ça casse la porte, c'est bien. On peut aider un petit peu, mais bon. Ça marche pas beaucoup. Le bélier, porte. La porte est bientôt cassée, voilà. Aïe, comment ça? Je me suis pris un coup. Ah, d'accord, ouais. Voilà, la porte a cassé. On va s'approcher, mais doucement. Ouais, il y a des meurtrières là sur les côtés.
Et sur le haut, on peut nous balancer Caillou, vous voyez. Hein. Ici, non, il n'y a pas grand-chose. Ouais, cette porte. Ah voilà, un caillou là. Attention. Ça peut faire très mal. Et la porte ici va céder rapidement. Attention à notre caillou. Heureusement, il n'est pas fort au lancer de caillou. On va les attirer un peu sur nous. Aïe! Mince, j'ai pris le focus. Voilà, allez, on va les aider. Alors, c'est un peu dangereux ce que je fais, on va pas se mentir, mais. Voilà. Au moins, ça vide un petit peu. Oula, tous ces endroits. Hop, reste là, toi. J'arrive pas à la voir. Oula, il y a du monde dehors. Voilà, on a pris les deux murs en plus. Impeccable. Ouais, on va vérifier qu'il n'y ait pas plus de troupes sur les hauteurs. Non. Voilà, par contre, là, il y a des munitions. Regardez là. Je sais pas si on peut les prendre. Ouais. Ramasser. Voilà. De nouveau, plein de munitions pour notre arc. Hein? C'est bon, on a pris le lieu, on a pris le lieu, hein, arrête. Oh les couillons. C'est dangereux, hein. Hé, on s'arrête là-bas, c'est bon. Hé oh, je vous dis quoi? Arrêtez. Non mais oh. Parce que bon, les caillasses comme ça qui viennent, merci, mais non merci, hein. Oh, ça va passer loin. En ce temps-là, bon, il y aurait une unité qui serait perdue. Ouh, la vache! C'était bien visé. Ok. Il reste deux unités que je ne vois pas. Alors, on va leur demander d'attaquer. Voilà, ils vont foncer vers les deux unités restantes. Ça peut arriver des fois, c'est un peu désagréable ce bug, mais. Alors, c'est con là ce que je viens de faire parce que je me suis totalement bloqué. C'est pas grave, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. On n'aura pas perdu énormément de troupes. 100 en tout, dont les blessés, hein. Hop là, bien joué. On va récupérer la bouffe. Non, il n'y en a pas. Les chevaux, il y en a un. Oh. C'est pas beaucoup. Là, on aura fait tomber ce château. On va faire preuve de pitié, parce que bon, j'aime pas trop les violences gratuites. Hop là, et on va sortir. On va sortir, on va sortir. Là, on voit qu'il est en train de remonter une armée. Votez pour le propriétaire du château. Ah oui, j'aimerais bien que ça m'appartienne, vu que c'est juste à côté de chez moi. Donc c'est moi qui l'ai pris, hein, on va pas se mentir. Ah là, un château qui est à moi. On va réattaquer l'autre troupe. Voilà, qui est encore assez lente. Ce serait bien si on arrive à la rattraper. Voilà, bien joué. Rendez-vous, on envoie les troupes, voilà, on fait ça en manuel, en automatique, je veux dire.
Voilà, beaucoup de pertes chez eux. Pas de besoin de prisonniers, c'est pas intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas là, sur le moment. Voilà, on a battu une belle armée ennemie. On va stabiliser un peu notre chez nous. Ah, ils se sont fait bien piller là, merde. Ah, je me suis fait piller mes trois villages, quoi. On va attendre un petit peu qu'il y ait de la reconstitution au niveau des armées. Réduit le poids de votre armure. Oh, réduit le poids de votre armure, ça c'est bien ça. Allez, on voit qu'on a encore quelques blessés. On va faire un petit plein d'unités à Onira. Il envoie des troupes là. Ok, là-bas, c'est en train. En train d'avoir une un siège hein. Ah non, c'est là-bas. Ok, ça me va. Allez, on va refaire un siège. On va voir si on peut recruter d'autres troupes. Non. Allez, on va devoir réutiliser un peu d'influence. On a la bouffe, c'est bon. Et on va faire le siège de Sironea. J'espère qu'on aura assez de troupes, ça c'est surtout la question. Approchez-vous. Non, on va faire un assaut. Ils sont plus nombreux déjà. Allez, donc on construit les comment s'appelle ça? Les tours de siège, voilà. Ainsi que le bélier et les quatre trébuchets. J'arrive pas à cliquer dessus, voilà. Donc, en premier temps, on a le camp de siège, ils sont nombreux. Voilà, on va avoir le camp de siège. Ils vont se très certainement appeler des troupes en renfort, on va toujours falloir se méfier, hein, en supériorité numérique. Ok, on a le bélier qui va être en construction, nos deux tours sont finis. Pas recruter d'autres, c'est dommage. Voilà, et on va utiliser un petit glitch entre guillemets. On va déplacer directement nos trébuchets à la réserve et on les mettra tous d'un coup pour éviter. Pour éviter tout simplement qu'ils se les fassent démolir un peu. À voter pour profiter d'un château. Tant que c'est pas moi, ça me va. Terminer, s'abstenir. Hop. Bravo, Nikazor. Une félicitation. Parfait. Je n'en voyais pas l'intérêt. Voilà, il y a de la troupe là. Hein. Voilà. Alors se méfier là. Là, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Sont vraiment très très nombreux. Honnêtement, je sais pas si ça passe. Hein. Alors, voilà, on a nos quatre trébuchets. On va attendre qu'ils, comme tout à l'heure, cassent les balistes. Allez, de 1, de 2, de 3. Ah non. On a encore. Construit très vite, hein, ça c'est embêtant. Construit vraiment trop vite, on vise vraiment pas ouf. Ah, d'accord, ça attaque le mur. Ok, là il n'y a qu'une seule baliste. Allez, on va tenter. Allez, on va mener. Un assaut, et ça va être pas facile. Mais un assaut. Voilà, c'est du 1 contre 2, mais on doit prendre des murs, hein, n'oubliez pas. Donc ça va être plus difficile que la bataille d'avant. Autodéploiement, c'est de nuit. Pas de soucis. Allez, on leur laisse faire leur. On laisse les troupes faire leur petite vie. Alors on s'approche. Il y avait quoi là?
Je sais pas, il y avait une herbe, un truc comme ça. Voyons voir, y a-t-il des points de ravitaillement de munitions? Pas très très loin. Non, il n'y en a pas ici. Pas ici non plus. Pas l'air d'en avoir là, bon c'est pas très grave. Hop. Oula, 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 oula. C'est comment pour s'accroupir déjà, W? Ouais. Ils sont plus hauts déjà. Hein. Ok, c'est pas trop mal comme tir. Là, ils sont vraiment placés en hauteur, ça va être un peu plus compliqué. Heureusement, c'est des sergents arbalétriques qui sont pas mauvais. Trop. Aïe! Ah, je me suis pris une sacrée flèche. Ouais, trop. Ok. Ok, c'est pas mal. Où est-ce que en sont nos engins de siège? Ils arrivent. Je me suis pris une flèche là. Ah mince, ah oui, d'accord là-bas. Mais non, c'est trop loin là. C'est beaucoup trop loin pour moi. On va se défendre comme ça, j'ai l'impression qu'on a un petit focus sur nous. Ouais, effectivement, voilà, on va bien se défendre là. On va attendre tout simplement hein, que la... que les tours arrivent. Elles sont là-bas d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, cette fois. Allez, on va aller avec la tour. Et on a déjà pas mal de pertes. Hein. Heureusement qu'on a une petite supériorité numérique. Ouf, j'ai réussi à l'avoir lui. C'était pas gagné. Hein. Ah dommage. Ah, il a baissé la tête. Allez, on va suivre. Ah. Comment ça? Allez, Wario, t'es qui toi? Ça y est. Nos engins ont atteint les murs. Allez, on demande à tout le monde maintenant d'attaquer. Allez, à l'assaut. Pourquoi il descend? Oui? D'accord. Bon, par contre, on va pas y aller tout seul, on n'est pas suicidaire. S'ils veulent, mais ils vont pas descendre quand même. Ils sont pas bêtes à ce point-là, bah si. Allez, on tape dans le tas. En faisant bien attention à ne pas tomber non plus. Ah, trop de boucliers là. On va casser les boucliers, hein, écoutez. Hein. Faire attention, hein, on va pas non plus. Bon, sinon on passe à l'arc. Hein. Regardez. Salut à vous. Ah merde. Ah bah arrêtez, revenez.
Ok, ça commence un peu là. Allez, on se met une flèche en bas. Parce que là, c'est la mêlée, mais je peux pas faire grand-chose. Hein. Ah, ça y est. Ça touche pas en tête là. Ah, saloperie de bouclier là. Lâchez vos boucliers. Ah bah d'accord, ouais. Bon, allons les aider un peu parce qu'ils galèrent. Pas touché, hein. Ils sont chiants avec leur bouclier. Hein. Allez, on va avancer avec le bouclier. Voilà, on va contourner. Ah, mais. Voilà! Ce côté-là. Non mais comment il est passé lui? Quelqu'un m'explique? Bon. C'est pas mon avantage de me battre avec avec cette arme-là ici. Voilà. Je vais aller sniper tout le monde d'un peu là-haut. Hop là. En plus il y a des munitions ici. D'habitude, il y a des munitions, mais pas là. Ah, j'ai plus de munitions en plus. Ah ouais, non, il n'y en a vraiment pas, genre... T'as rien? Bah mince. Je suis déçu, là. Il n'y en a pas ici? Oula, oula. Doucement avec le caillasse. Hein. Ok, bon, il n'y a pas de caillasse ici. Il n'y a pas de munitions, je veux dire, ici. Ah, ils sont un peu beaucoup là, par contre. Ah, c'est bon. Il y a mes copains qui arrivent. Voilà. Bon, je voulais sauter là, mais je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Donc on va. Ah, mais non. Allez hop, voilà, on va pousser. Allez. Alors, on est pris dans le flux, hein. On n'arrive pas à sortir du flux là. Ah, des munitions. Regardez là, des munitions. Exactement ce qu'il me fallait. Il n'y a plus rien ici, c'est pas cool. Voilà, bon, on aura perdu déjà pas mal d'hommes, mais il leur reste pas grand-chose. On va aller vers le bas si on peut. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller vers le bas. Je sais pas si on peut vraiment aller quelque part. Hein. Il y en a qui, glitch quoi, tellement il y a d'unités. Ok. Un escalier là. Ah non, d'accord. Ouf. Ah bah non.
Faire le plein. Voilà, il reste très très peu d'unités ennemies. Longtemps que ça se bat, hein, mais ça a l'air de se battre là-dedans. Prendre de la hauteur. Ça nous permettra peut-être de mieux voir un peu ce qui se passe. Okay. Ah oui, d'accord, ouais, il y en a là-bas. Ah, c'est pas facile de tirer là. Ok, ils vont par là. Où est-ce qu'ils passent? Ils passent là. Il a pris cher, hein, 233 quand même. Bataille terminée. Impeccable. Ah, pas trop de pertes dans mon groupe, ça me va. Ça me va vraiment bien. Ouh. Alors, les défenseurs sont pliés, se préparent pour un bout d'honneur dans le donjon. Bon, on va attaquer le donjon là. Attaquer avec les cataphractes impériales, c'est bien ça. Allez. Oula, ouais, y a du monde, hein. Bon, on a un arc, on va utiliser. Nos flèches à bon escient. J'ai reçu une flèche, je ne sais pas trop d'où. Mais je l'ai reçue. Bah, recule pas. Voilà. Ils ont peur, les pauvres. Bon, avancer. Hein. C'est par où? Ah, c'est par là, ça a l'air. Un bel escalier. Alors, qui est mis un peu à l'envers. Hein. Ouais, tout simplement parce que. Normalement, ça devrait être dans l'autre sens. Parce que la majorité était droitier à l'époque. Bah là, tu peux bien taper de droite, quoi, comme ça. Hein. Parce que quand t'es là, bah, que t'es droitier, bah, là, tu peux pas trop taper. Donc ils sont vraiment mal foutus. Je sais pas qui a designé ça, va falloir refaire le château. Ah, la dernière troupe là-bas. Impeccable. Vous avez gagné la bataille. Trop bien. Allez, on va voir les dernières salles quand même, voir ce qu'il y avait. Ah, il y avait rien du tout. C'était pas ouf, hein. Bah, c'était une victoire, hein. Allez, d'ailleurs on va prendre des prisonniers vu que c'est la dernière. C'est la dernière bataille. Oh, 10 000 d'expérience, putain, mes troupes. On fait preuve de pitié. Pardon. On va à la taverne, on rançonne tout ça. Oh. C'est un prince. Et on attend ici un moment, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de troupes ici. Oh, beaucoup de troupes. Ah, ils avaient de quoi prendre le château en vrai. Je vais, au cas où, garder un peu la couverture du château, je vais attendre le vote. Allez, on va accepter. Si j'ai la cité, je la défends. Si je l'ai pas. Je ne la défends pas. Ça passe. Et voilà. Donc je me retrouve avec deux cités, un château qu'il va falloir garder. Ça c'est le plus difficile.
ça va vraiment être le plus difficile. Donc arrêtez d'attendre, on va partir. Peut-être que je mette quelqu'un à la tête du château quand même. Enfin du château de cet endroit-là. Donc si je me trompe pas, gérer la ville. Vraiment, vraiment noble. Bon bah noble, hein, elle est noble, c'est ma sœur. Et on est comment là? Sécurité. Okay. Construire l'aqueduc, forum, terrain d'entraînement. Ouais. On va aider, on va booster un petit peu tout ça quand même. Voilà, il nous faut maintenant défendre tout ça. Ça va être le plus difficile. Voyez pourquoi. Vous voyez pourquoi? Parce que déjà, ils sont plus nombreux. Ils ont déjà refait une armée plus nombreuse. Utiliser des points de compétence. Bon, en endurance. Ah non, c'est un autre point de compétence. En athlétisme, on avait dit. Bon, direction la cité. Ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher. Et on va recruter des troupes. Pas grand-chose à recruter, tiens. On va attendre ici. S'ils veulent faire l'assaut de la ville, on les attend de pied ferme. Il n'y a plus beaucoup de nourriture, par contre. Il faut en racheter. Céréales, voilà. On achète tout. Ok, bon, on va arrêter d'attendre. Je crois qu'ils voudraient attaquer, mais apparemment non. Ok, bah je pensais qu'ils voulaient attaquer, mais non. Ils sont passés où d'ailleurs? C'est dingue ça. Bon, ils sont passés nulle part. Alors on va aller au château de Corregna. Ouais, comme ça, toute cette petite partie-là, là, m'appartient totalement. C'est magnifique. J'ai un château, j'ai un château, j'ai personne pour le gouverner, c'est un peu plus embêtant. Faut que je me marie. Faut que je me marie, que je mette ma femme en tête, à la tête du château. Et là, pareil, on va soit tout ça, atelier, garnison, collecteur de péage. Et je vais dissoudre mon armée. Voilà. Ça me coûte beaucoup en influence par tour. Puis surtout, elles peuvent pas trop se reconstituer facilement. Ce qui n'est pas un bon bail pour moi. On a pas mal de laine dans le coin. On va voir si peut-être des quêtes faciles ou pas. Besoin d'outils, je dois en avoir ça. Ah bah non, j'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez, quel dommage. Voilà. D'en avoir ici, non? Voilà, quelques outils. Voilà, et puis on va faire un épisode un peu plus court aujourd'hui. Voilà, on aura eu quand même deux grosses batailles. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que cet épisode de bataille vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain
pour le prochain épisode, hein, tout simplement. Allez, je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiam. Ciao!